Je suis en train de dîner des genres de boulettes de steak haché extra maigre avec un genre de riz aux légumes, riz basmati, puis un cocon. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire mon ménage, ramasser un peu la maison. Il resterait juste à passer à la balayeuse, laver le plancher. Faut que j'aille chercher Lena bientôt, fait que ça coupe un petit peu une journée, je te dirais. Mais là, on doit aller à l'épicerie pour préparer la semaine. Fait que je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'achète. Fait qu'on va préparer la semaine. À date, un matin, j'ai envoyé une infolettre. J'ai fait comme le recap de ma semaine. J'ai commencé à faire du journaling là. Au début, je pensais pas que j'allais être capable parce que moi, tenir un journal, mettons, j'achète un agenda ou un cahier que je vais écrire dedans, puis que j'essaie vraiment d'être assidue, j'y arrive jamais. Mais là, je suis vraiment surprise parce que ça fonctionne. C'est le livre de... le cahier de Jenna Kutcher. Ça va vraiment avec son livre qui est « How are you really? » C'est vraiment comme en anglais, mais c'est vraiment bon. La première semaine, comme on peut voir, j'ai vraiment rushé parce que j'avais commencé. Et après ça, on voit que c'est vide pour le reste de la semaine. Mais là, cette semaine, à chaque jour, j'ai été capable de... Sauf hier, de le faire. Fait que, mettons, je... C'est comme toute ta semaine, tu l'écris ici. Mettons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis des petites notes. Fait que tu marques ce que tu as à faire qui est important. Ensuite, vraiment, chaque jour, moi je le remplis chaque matin avant de travailler. Tu marques la date, comment tu te sens sur 10. Fait que mettons 7 sur 10, 5 sur 10, puis tu écris un peu pourquoi. Chaque jour, tu as ton big tree qu'on appelle. C'est super beau, habille-toi bébé. Ton big tree, c'est vraiment, mettons, c'est quoi? On a notre big tree qui est vraiment trois choses que tu dois absolument faire dans la journée. C'est quoi tes trois choses les plus essentielles que tu dois avoir terminées aujourd'hui ou faire aujourd'hui? Fait que moi, je mets, mettons, mes trois affaires. Puis après ça, tu as des lignes pour écrire qu'est-ce que tu veux. Fait que moi, souvent, j'écris comment je me sentais dans le jour. Pourquoi je me suis donné, mettons, 7 sur 10 cette journée-là. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Tu peux le faire le soir aussi, mais moi je trouve que le big tree, c'est vraiment le matin que ça se fait parce que tu veux savoir dans la journée c'est quoi les trois choses les plus importantes que tu as faites. Fait que moi je le fais le matin. Fait que tous les jours je l'ai rempli. Puis à la fin de la semaine, comme je vous ai dit, là, je l'ai juste pas rempli hier parce qu'à matin, j'ai comme pris la journée de samedi. On est dimanche. Après ça, t'as vraiment un recap de ta semaine qui est ton weekly reflection. Fait que c'est quoi qui t'a... donner de l'énergie cette semaine, qu'est-ce qui t'a motivé, tu sais? Puis qu'est-ce qui t'a drainé un peu de l'énergie, qui a moins bien été? Puis après ça, il y a comme « What is my takeaway from this week? » Fait que c'est quoi que je retiens de la semaine? Fait que c'est quoi, mettons, en voyant tes pour, tes contre, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qui a bien été? Ben c'est quelle réflexion tu fais par rapport à ça? Après ça, on a une petite quote. Après ça, la semaine recommence. Fait qu'à la fin du livre, souvent ça l'aide que c'est vraiment pour te rendre compte qu'est-ce qui te draine de l'énergie puis qu'est-ce qui t'en donne. Fait qu'à la fin, tu sais exactement, mettons que moi, toutes les journées que j'allais prendre une marche, je me sentais un 8 sur 10. Ben, je sais que moi, aller prendre l'air le matin,
ben ça me donne comme effet un 8 sur 10. Fait que pour bien commencer ma journée, je sais qu'à l'avenir, si je vais prendre ma marche le matin, je vais bien me sentir, tu sais. Maman, aujourd'hui, on va pas galérer. Non, aujourd'hui, on va pas galérer. Non. Fait que je trouve ça intéressant de le faire. Fait que c'est ça, je voulais partager avec vous un matin. Puis, je trouve que c'est bien de vous le présenter aujourd'hui parce que comme on est dimanche, ça commence bien la semaine. Fait que tantôt, mettons, toute ma semaine à venir, je vais l'écrire tantôt. Fait que comme ça, je vais être prête à débuter demain. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Il manque. On a plus de bananes. Maman a pris des bananes. C'est bon, hein, maman? Bon, hein, maman? Ok, I'm back. J'ai juste racheté, comme je vous disais, là, ce qui manquait. J'ai pas trouvé mes crispy mini préférés, fait que je me suis dit, garni doit être pas super. Je sais pas. D'habitude, j'aime vraiment juste ceux-là, tomates basilic, comme je vous avais déjà parlé. J'ai pris du yogourt protéiné 0% grec vanille. Il me restait déjà du nature. Coconut râpé non sucré. C'est bien important pour t'en checker, là, mettons, tous les fruits séchés puis tout, c'est de regarder qu'ils sont non sucrés parce qu'eux autres, ils boostent ça de sucre. Un concombre, des petites tomates, des avocats. Après, je vous montre mes avocado toast le matin, c'est trop bon. Un citron, des bananes et des jujubes sans sucre. Ils sont vraiment bons ceux-là, je trouve. Fait quand c'est une crache, ça le fait. Des cocos. On en avait plus. Un feu de poulet parce qu'il m'en restait. Les pains au blé multigrains. Fait que ça, c'est des super bons biscuits que tu peux tremper dans de l'humus. Fromage à l'allégro. Mettons que tu coupes une ou deux tranches avec 7-8 biscuits puis 2 cuillères à soupe d'humus. Ça fait une partie de collation. Fait que souvent, je prends ça. J'ai acheté de la roquette, c'était à 50%. Je comprends pas pourquoi parce qu'elle est toute belle, là, fait que c'est pas parce qu'elle était sur le bord, là, mettons. Après ça, j'ai pris de la trio de laitue vivante, fait que laitue verte, frisée verte, rouge. Donc ça ressemble à ça. Puis j'ai pris du pesto. Puis là, tant qu'à être là, là, j'aime ça aller au Provigo parce que pour l'entraînement, il offre quand même beaucoup de choses. Fait que j'ai pris bande d'étirement élastique qui est comme avec des coutures renforcées. Fait que comme ça, ben tu peux l'étirer comme au max. Puis il y a plusieurs trucs là. Fait que je pense que je vais me prendre une petite collation. Puis on va commencer à faire les petites collations. Fait que j'aurais aimé ça faire plein de recettes avec vous. Mais comme je sais que c'est pas aujourd'hui que je vais en faire beaucoup parce que on s'en va cette semaine. Puis je sais que j'ai des petits plats. Fait que ça sert à rien. Mais je vais en gaspiller en plus que j'en ai fait dégeler. Fait que là. Tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment pas compliqué. Ça vous prend du... Hey shit. Ça vous prend du beurre d'amande. Ça ressemble vraiment à du beurre de peanut. Je trouve que juste que c'est vraiment meilleur. Le goût est vraiment plus délicat, plus sucré un petit peu. Ça vous prend de l'avoine. Tu sais, mettons des flocons d'avoine. Ça vous prend du coconut, même si vous aimez pas ça. Je n'aime pas le coconut. Je n'aime pas les gâteaux qui ont du coconut dessus, je n'aime pas ça. Mais là-dedans, ça fait toute la différence, c'est ce qui va donner ton sucré. Ça vous prend aussi du miel, puis si vous en avez pas, vous pouvez remplacer ça par du sirop d'érable. Fait que je vais tout amener ici, je vais vous dire approximativement les quantités. La quantité que je vais faire, comme je sais que je pars en fin de semaine, je vais en faire moins. Mais sachez doubler la recette si vous en voulez comme le double parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je double tout le temps cette même recette-là pour en avoir toute la semaine parce que j'en mange ici et là tout le temps. Là, je les aime tellement ces petites boules-là que c'est comme mon gaga. Fait que on va commencer par sortir un bol.
Parce que il sort du lave-vaisselle, il est vraiment chaud. Genre vraiment bien. Fait qu'un petit bol comme ça. On me verra pas tant la face parce que je veux que vous voyez qu'est-ce que je fais aussi. Du miel. Moi, je prends tout le temps n'importe lequel. Tant que, mettons, il est en spécial puis que c'est les gros formats, je l'achète. Fait que n'importe lequel. Après ça, celui-là comme ça, il n'y avait plus les gros pots. Mais d'habitude, ils peuvent être, il y en a des plus gros là, si jamais vous comptez en reprendre. Là, parce que pour la recette au complet, on va avoir besoin du truc au complet. Coconut. Et notre avoine. Fait que là, on y va. Donc là, on va prendre notre beurre d'amande. Puis c'est une demi. Wow! Une demi-tasse. Fait que là, vous allez voir, là, sur le top, c'est tout le temps huileux. Fait que moi, je le brasse avant. Là, on a notre petite boîte. On va venir... tu sais, je vous disais que ça prend tout le pot. Si vous doublez la recette vraiment, là, parce que ça prend vraiment la moitié du pot. D'après, il y a une tasse pas mal là-dedans. Là. Là, le miel, ça va être 3 cuillères à soupe. C'est ça aussi qui va donner votre sucré dans votre boule parce que c'est quand même des boules d'énergie santé faites avec du beurre d'amande. Fait qu'il faut pas s'attendre que ce soit comme du gâteau ou un brownie. On s'entend. Je me rappelle la première fois que je les ai faites, j'aimais pas ça, ok? Puis maintenant, je suis pas capable d'arrêter d'en manger. Genre, j'en mangerai tout le temps. C'est pourquoi c'est genre ma recette préférée santé de collation, là. Des petites boules d'énergie parce que, tu sais, du beurre d'amande, on s'entend, c'est des protéines. Puis, tu sais, si vous faites pas tant attention puis vous voulez juste goûter puis que ce soit vraiment, vraiment bonne sans nécessairement être comme too much santé, vous pouvez prendre votre coconut sucré. Comme à un moment donné, je me suis trompée. J'avais pris les sucrés. J'étais comme, voyons, mais ça, sont bonnes, là, tu sais. Et là, j'ai fait, oh, ça, c'était du sucré. Fuck. On va prendre un 3 quarts de tasse de gruau. Ça, ça me fait vraiment chier. Ça sort de tout bord, de tout côté. Pas moyen, ici. Voilà. Et là, on mélange et c'est tout. Mélangez ça au début avec une cuillère, mais après ça, à fourchette, là, pour l'écraser comme il faut, sinon, ça marche pas, là. Moi, là, vu que mes trucs sortaient du lave-vaisselle, là, mon beurre d'amande est quand même mou, là. Ça l'aide. Parce que d'habitude, c'est vraiment raide, mais au pire, vous pouvez faire réchauffer, peut-être que c'est mieux, là, parce que là, j'ai vraiment moins de misère que d'habitude, ça paraît. Fait que là, c'est supposé vous donner un mouton qui a pas l'air bon, mais moi, je le mange jamais de même, là. C'est bon pareil, mais c'est pas pareil, ok? On va venir faire des petites boules. Puis on va les mettre, mettons, dans pas un bol, là, mais un plat. Puis on attend. On n'attend pas nécessairement, mais tu sais, le lendemain, c'est sûr qu'ils sont meilleurs parce que le temps que l'avoine est dans ça, elle va ramollir un petit peu. Fait que ça sera pas pareil. Tu sais, mettons, là, je vais la manger live. Oui, c'est bon, mais tu sais, l'avoine est encore comme un peu... raide un peu, là. Fait que c'est supposé donner ça, là. Fait que tout à fait normal. Fait que là, je vais faire les petites boules. On va salir les mains, c'est sûr. Je vais mettre ça dans un plat, puis on va les mettre au frigo. Gros fail! J'ai même pas mis mon coconut. Là, je me sens vraiment conne. Fait que soit que je la remets ça de même puis je recommence mes boules, soit je le roule dedans. Fait que je vais opter pour rouler dedans, ça va coller, évidemment. Mais c'est sûr que après, là, je vais comme le retapoter pour qu'il soit bien ancré là, dedans. Là. Que lui aussi, ben pas qu'il fonde, mais qu'il soit moins raide, là, tu sais. Fait qu'on sert ça, on ramasse un petit peu. Je vais aller me changer, ben juste me mettre un autre top. On va pouvoir commencer notre training. Bon, comme vous savez, je m'entraîne à la maison. Fait que là, 15 minutes avant mon entraînement, je vais prendre mon Energy Burner. Il y a soit, mettons, dans le Magnum, il y a le Fasted Cardio, qui est intéressant, qui est vraiment bon. Et il y a le Energy Plus Burner de Liv. Aujourd'hui, je vais prendre celui-là.
un shot d'eau. Et c'est tout. C'est dimanche. Là, quand on s'entraîne pour la récupération musculaire, on prend du BCAA. Fait que c'est vraiment pour l'endurance. Puis, tu sais, mettons que tu peux pas trop être raqué le lendemain, ça l'aide, OK? Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends un scoop avant. Je vais venir prendre ma bouteille parce que ça compte. Toute l'eau qu'on met avec des suppléments, ça compte. Fait que j'en mets pas mal là, pour que, après ça, il va juste me rester un litre d'eau à boire. L'entraînement, là, j'ai pris ma collation, mais si j'avais pas mangé ma collation, je m'aurais fait un shake de protéines. Mais là, comme je mangeais puis qu'il y avait des protéines dans ce que j'ai mangé, c'est correct. Fait que là, ben, je l'ai pas comme fini. On va finir ça. Je vais remplir ça pour ma semaine. Il y a moi qui viens de me dire, je viens d'oublier qu'il fallait que je passe la balayeuse en bas. Je t'avais de me crever par en dedans. Tu comprends? Le monde me dise. Mais là, quand est-ce que tu prends le temps de faire ton ménage? Regarde mon petit chandail. Quand j'ai pas le temps. Regarde mon petit chandail et tes bonbons. Oh, wow! T'es trop belle. Fait que balayeuse, pliage de linge, lavage de plancher. Ça se fait pas mal aujourd'hui. Là. Bon, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. J'ai plié mon linge. J'ai passé à balayeuse, Alex a passé à moi pendant. Comme ça, ça m'a vraiment aidé. Puis, là, il me reste une couple de petites affaires à préparer pour le voyage. Si vous voyez ça aujourd'hui, moi, j'ai filmé la semaine dernière. Ben, en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis la semaine dernière pour vous. Ça veut dire qu'on part aujourd'hui à Las Vegas. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? Je le sais pas. C'est encore un mystère. Fait que j'ai hâte de vous raconter ces péripéties-là, de si ça l'a passé aux douanes ou non. Parce que suite à mon vlog de la semaine dernière, oui, c'est la semaine dernière. Ben moi c'est cette semaine, là, mais vous c'est la semaine dernière. J'ai eu plusieurs témoignages par rapport à ça. Fait qu'ils font les vérifications aléatoirement. Fait que ça passe ou ça casse. Fait que dans le fond, moi, ce que je souhaite, c'est que je pouvais juste plus le changer mon voyage. Ça fait plusieurs fois que je le change de date, puis que ça me coûte des frais à chaque fois. Fait que là, je me suis juste dit, garde, ça passe ou non. Fait que c'est ça. Fait que si vous voyez ça, quand vous allez voir ça, je vais déjà savoir si ça passe ou ça casse. Et on va se tenir au courant. Je pense pas que je vais en parler vraiment sur mon Instagram. Mais ici, vous allez être au courant, là, probablement la semaine prochaine. Fait qu'on verra. Je vais essayer de filmer aussi mes bagages cette semaine, si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Sinon, ça ira avec après le voyage, qu'est-ce qui m'a été utile. Sinon, qu'est-ce qui m'a été utile, qu'est-ce que j'aurais dû amener. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Puis, c'est ça, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!